La Chandeleur, c'est cette fête religieuse que les chrétiens célèbrent pour se souvenir du jour où Jésus, enfant, avait été consacré à Dieu. La coutume veut que l'on mange des crêpes, oui, mais pourquoi? D'après la tradition, la coutume de manger des crêpes viendrait du pape Gélase, qui, ayant reçu un 2 février la visite de pèlerins à Rome, leur aurait offert pour les remercier un petit déjeuner à base de pancakes. Que faut-il en penser? C'est vrai que les papes sont connus pour leur légendaire sens de l'hospitalité, mais ce n'est pas non plus une raison pour instituer une fête liturgique à chaque fois qu'un pape offre un café à quelqu'un. Plus probablement, au Moyen-Âge, la Chandeleur correspondrait tout simplement à cette époque de l'année où les paysans devaient se défaire de leur surplus de blé entassé dans leur grenier, et faire des crêpes était un moyen de faire la fête à cette occasion. Mais à qui allez-vous offrir maintenant ces crêpes? N'oubliez pas que la Chandeleur, c'est Jésus qui est consacré à Dieu, ce qui explique pourquoi est-ce que dans l'église romaine, la Chandeleur est devenue le jour de la fête de la vie religieuse. Si vous connaissez un religieux ou une religieuse, n'oubliez pas de lui souhaiter bonne fête et de lui offrir vos crêpes. Bon appétit!